Voilà, donc bienvenue sur Télé Afrique. Là, on est en brousse. Hein. On est sur notre site là pour le projet de tomates et de concombres, notre projet agricole. Et là, on a un grand problème d'eau. Donc, on vient sur une autre réserve d'eau pour pouvoir, voilà, pour pouvoir tirer l'eau et envoyer sur notre site pour continuer l'arrosage des tomates. Voilà, nous sommes en pleine saison sèche. Et l'eau se fait très rare. Donc vous voyez déjà, pour les projets, il faut prévoir déjà des forages. Même si vous avez des cours d'eau qui sont à côté, il faut prévoir des forages pour des plans B. Imaginez qu'il n'y avait pas cette grande réserve-là, mais tout ce qu'on a commencé, c'était tomber à l'eau. Donc ce n'est pas facile. Psychologiquement, il faut être prêt. Quand vous investissez dans l'agriculture, et puis il faut savoir anticiper et voilà. Non, il faut faire face aux imprévus. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, ça pousse fort. Hein? Ça grandit. Hein? C'est le problème de l'eau qui nous retarde un peu. Sinon, il y a d'autres qui ont commencé à faire des fleurs. Voilà. Bien joli là, quand ça va commencer à produire, c'est en ce moment là que nous on va sourire. Il y a d'autres qui avaient mis dans les commentaires que le sol n'était pas adapté à la culture de tomates, et on vous a dit qu'on avait pris les dispositions. Voici nos plants de tomates qui grandissent bien, qui ont commencé à fleurir. Voilà, voici le fer, tout est là. Donc voilà, on continue, on met tout dans la main de Dieu et on vous invite à investir dans l'agriculture en Afrique. La terre ne trahit pas. Lorsqu'on consomme ou bien on produit ce que nous consommons, ça crée plus de sécurité. Tous les engrais que nous avons utilisés, c'est des engrais bio, hein. Les déchets de poulet et autres là, c'est ce que nous avons utilisé ici. Voilà. Alors, vous vous êtes couché dans vos salons là, que le marché est cher là. C'est comme ça, hein. Tomates, vous mangez là. Nous, on est en brousse, vous voyez. De toute façon, on souffre en brousse. Tout ça là, c'est une rivière, mais qui atterrit à cause de la sécheresse. On est obligé d'aller très loin pour aller tirer de l'eau, on n'abandonne pas. On va prier, il va pleuvoir. S'il pleut au moins deux fois, c'est fini. Tout ça là, ça va. C'est fini. L'eau là va prendre. Ah, ici là, c'est bien brûlé. Hein? Voilà, donc nous on est en brousse. On travaille pour se nourrir et nourrir la population. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est quand on sera rassasié là qu'on va vous donner un peu. Ou bien. Voilà, donc. Ça a bien brûlé ici là. S'il pleut une fois qu'on met riz ou bien maïs là, but. Ok, igname. Bon. Ok. Donc vous voyez, pour les projets agricoles, il faut être spontané. Et puis, voilà, il faut faire des prévisions. Il faut s'attendre à tout. Ça fait un bon moment qu'il ne pleut pas. Donc là, au moment où on n'a pas encore fini totalement la petite réserve d'eau qui nous reste, mais on anticipe déjà pour venir chercher un autre point d'eau où on doit déjà faire des branchements, des tuyaux, pour pouvoir arroser nos plants de tomates. Donc vous voyez, c'est pas facile, hein, c'est des dépenses supplémentaires. Il faut s'attendre en tout. Ah. Wow. Ah, ici il y a une grande réserve ici. Ok. Oui, il y en a.
Ouais. Donc ici, il y a une grande réserve. Là, on est en train de trouver des solutions. Donc, c'est comme ça passe. Comme ça. Bon, c'est un coin où quand l'eau déborde là-bas, là. Ok. Et puis, c'est resté comme un lac. Voilà. Ok. Là, on peut passer là-bas. Ouais. Donc, c'est la réserve d'eau qui est là. C'est à partir d'ici qu'on va tirer encore pour alimenter une autre réserve et puis aller faire l'arrosage. C'est pas du tout facile, mais on tient le coup. Donc, vous voyez, il faut être sur le terrain pour voir comment les choses se passent. C'est pas seulement dans les salons climatisés. Il faut être sur le terrain pour voir comment les gens souffrent. L'agriculture, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais on va y arriver. Waouh. Oui. Hein? Waouh. Donc ça, c'est une grande réserve. Seulement que c'est un peu loin du site. Donc il faut faire des tuyaux, des raccords. D'accord. Ah, c'est le moteur là qui est là-bas. Mais ici, il y a un peu encore, non? Oui, ici, il y a un peu. Ah, c'est réserve aussi. Donc, on est en train de tirer un peu au loin là. D'accord. Non, c'est bon. Oui, comme ça, ça y est là un peu, un peu. Oh, oh non. Waouh. Donc là, on a pu stocker l'eau ici. Et ça, c'est notre motopompe qui est là-bas. Voilà, on va essayer de tirer. Voilà, pour aller arroser nos plants de tomates. Ah, mon poisson frais, bio. Le poisson là, c'est cap, non? Cap noir. Voilà, il est bien grillé ça. Tout est bio ici. Donc, vous voyez où on est quitté. C'est devant là-bas, vous allez stocker l'eau là. Hein? J'ai vu là-bas, allons. J'ai déjà vu. Hein? Devant là-bas, non? Je suis parti quand j'ai trouvé l'eau là. Donc, vous allez stocker. D'accord. C'est bon. Non, on va prier, va pleuvoir.